il y a 3 ans passés, c'est vrai. C'était quoi le message? C'était en 2018, en septembre-octobre 2018. Mmh. J'étais à l'étranger, j'étais en vacances. J'avais pris un peu de vacances pour les rares fois où j'en ai eu. Mmh. Et j'étais aux USA. Et une nuit, Dieu m'a montré dans une vision mon pays. J'ai vu beaucoup de choses. Et parmi les choses que j'avais vues, on me disait que la guerre allait s'arrêter dans exactement 3 ans. Mais c'est pendant ce temps-là que l'Éternel me dira que dans 3 ans, comptez 3 ans, lorsque les 3 ans seront accomplis, la guerre va s'arrêter. Et il m'a dit aussi que la vie politique, la manière même de faire de la politique dans ce pays, ne sera plus la même. Okay. Après cette victoire-là, de notre armée, même la scène politique ne sera plus... disons ça dans un style que les gens peuvent comprendre. Le système déjà ne sera plus le même. Vous allez constater, après 2021, beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, enfin, des fils de nos églises, même des serviteurs de Dieu, vont entrer dans la scène politique. La pétrolière, vous voyez, et il y a une idéologie à Sika. Donc, ce qui papa de maman a valu comme elle a un attaque de la kini, comme tout misaté à côté d'un bon kini, car ce qui ont béni la numéro oyo, on s'en mobima de voyons la kini à cause de soins de santé gratuitement. La clinique de Sunga, Bajelibino, Wifi a opéré surtout que vous avez internet au débit. Donc, ce qui ne connaît pas avalé comme elle a, au lingui, au yéba, état de santé la yé. Maman, bonne santé. La bonne vie. Ce qui te connaît, a occasion de consommer la mutualité de Missouma. Il y a un peu de temps, la petite déjeuner, mais la pourquoi? Il y a un peu de temps, 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 il y a sans oublier test oculaire, donc pour ça mon bimba et la mutuelle Missouma et pour ça la Missouma yo et son malouko dans la commencement la clinique Missouma va aller faire la dentiste minou et pour son à tout mon pied la Missouma va traiter qu'à faire un cataracte bien marqué au commande pépele à mbetolo loko la caca éclairage public y'a n'y a la Missouma ta santé c'est ta vie. Alors la clinique Missouma la grâce Mandela, la pétrolière. Est-ce que les alliés, les athènes? Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps, qui vous propose un divertissement très modéré. Mesdames et messieurs, vous qui êtes branchés sur Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne d'attache, bienvenue et continuez toujours à vous abonner massivement sur cette chaîne puisque à travers cette chaîne, vous avez quand même plusieurs informations et aussi et cette chaîne vous donne une très belle formation, bien sûr. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, vous qui n'êtes pas encore abonné, il suffit d'aller tout simplement sur le bouton où c'est écrit en rouge « S'abonner ». Touchez une fois, allez juste à côté, vous verrez une cloche. Une fois touché sur la cloche, vous verrez toute notification. Et à partir de là, vous êtes compté parmi nos abonnés. Alors, nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau pour la toute première fois donc un serviteur de Dieu qui parle bien, qui est assez calme, qui n'est pas vraiment
et qui ne traîne pas dans des polémiques. Et je crois que nous sommes très très heureux puisque il a accepté notre invitation. Il s'agit tout simplement du pasteur Timothée Mpongo Kabasele, qui est le pasteur principal, bien sûr, de l'église évangélique Nouvelle Alliance à Enan en sigle. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Alain, ça va bien? Dieu fait grâce, ça va. Amen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, homme de Dieu. Sinon, l'église, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. C'est très visible parce que je vois sur les réseaux sociaux, je vois des petits morceaux où on vous poste de temps à autre, où il y a plusieurs messages que vous avez toujours d'ailleurs vulgarisés. Sinon, j'ai l'impression comme si vous avez une autre manière de faire les choses de Dieu. Ça veut dire quoi, une autre manière? Apparemment, Dieu vous utilise, il parle à travers vous, mais vous ne faites pas trop de bruit tout autour de ça. Parce que généralement, actuellement, lorsque Dieu parle, utilise un serviteur, c'est comme si vous sentez qu'il se donne des ailes, en fait. Je ne sais pas, vous savez, chacun vient de quelque part. Chacun sort d'une école. Mmh. Moi, je sors aussi d'une école, l'école de mon père, mon père biologique. Et Emmanuel Kabasele, qui est déjà retourné dans la gloire du Père. Paix à son âme. Et qui était fils d'Alexandre et d'Inabala. Donc je viens d'une école. Et encadré, coaché par l'apôtre Soumbela, Jean-Baptiste Soumbela. Donc vous voyez, c'est pas une école de. Une école où il y a beaucoup de bruit ou beaucoup de. Beaucoup d'impressionnisme, non. Mais on fait le travail de Dieu. Effectivement, merci beaucoup. Sinon, depuis un certain temps, la RDC traverse un moment très très difficile, surtout la partie est, bien sûr, où il y a toujours des massacres, où il y a des femmes qui se font décapiter chaque mois. Ouais. Sinon, face à toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont toujours traversé cette zone de turbulence, avec beaucoup de désastres, un message à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre certainement. Oh. J'aimerais leur dire que Dieu ne les a pas abandonnés. Vous qui passez des moments très difficiles, peut-être en train de courir d'un lieu à un autre à cause des crépitements des balles, j'aimerais vous dire que Dieu ne vous a pas abandonnés. Vous qui n'êtes pas loin des théâtres des opérations militaires, j'aimerais aussi vous dire que Dieu ne vous a pas abandonnés. Il y a un Dieu sur nous, dans les cieux là, il y a un Dieu, le Dieu du Congo est vivant, Yahweh est vivant et Dieu a un plan pour ce pays. Amen. Dieu a écouté toutes nos prières, les prières qu'on a faites depuis des années et même depuis que cette guerre a commencé, Dieu a écouté nos prières et Dieu est sur le point d'agir. Ça ne prendra plus beaucoup de temps, soyez juste un peu patient. Je sais qu'on ne peut pas vous demander d'être patient, mais c'est une façon de parler pour dire dans très peu de temps ça va se décanter. Amen. Nous sommes très contents. Alors, homme de Dieu, je crois que nous aurons pas mal de sujets à toucher. Mais c'est vrai qu'avec un seul numéro, je ne pense pas que nous allons finir tout cela. Mais de temps à autre, j'espère que vous nous accepterez toujours dans votre bureau. Sinon, en parlant de l'église de réveil ou le mouvement de réveil, quelle analyse faites-vous de l'actuel mouvement de réveil? Puisque depuis un certain temps, on sent quand même qu'il y a plusieurs générations, il y a des gens qui sont passés. Mais sinon, actuellement, quel regard avez-vous par rapport à ces mouvements de réveil? Bon, il faut dire que le mouvement de réveil a engendré plusieurs courants ou plusieurs églises, disons ça comme ça. Il y a l'RC, maintenant de l'RC où un peu en dessous de l'RC, il y a plusieurs plateformes. On ne sait pas dire à côté parce que l'RC, c'est le. C'est la seule interface reconnue par l'État. Les autres sont des plateformes. Certaines ont des personnalités juridiques. Mais en tout cas, l'interlocuteur du gouvernement, c'est l'RC. Ce sont des églises qui sont nées du mouvement de réveil qui a commencé avec Alexandre Aïdinabala dans les années, fin des années 60, en 69 précisément. Et puis d'autres sont sortis des assemblées de Dieu avec Jean-Jacques André Vernon. Vernon. Ouais,
Et puis d'autres sont sortis de groupes charismatiques, de l'église catholique. Donc, tous ces mouvements-là, c'est ce qu'on appelle les mouvements de réveil. Alors, je dirais que les mouvements de réveil sont en pleine maturation. En pleine maturation, en pleine réforme. Les gens, bon, quand l'enfant naît, il doit grandir, il doit passer par l'âge de la puberté. C'est un peu comme un âge de la puberté, parce qu'on est en train de se transformer, de découvrir. C'est maintenant que plusieurs vont faire des études théologiques, ils apprennent, ils comprennent certaines choses, les choses pour lesquelles on était peut-être très catégorique il y a quelques années, aujourd'hui on commence à comprendre. Il y a aussi, pendant cette transition-là, aussi, il y a aussi des gens qui se perdent, il y a aussi des gens qui s'égarent à force d'être trop tolérants. Parfois, on se perd. Et voilà. Donc, l'Église est en pleine maturation, je peux dire. Merci beaucoup. Sinon, lorsque vous faites face à toutes ces personnes qui ont l'habitude de dire que non, moi, je n'ai plus le goût de prier, tout simplement parce qu'ils sont tombés sur un, entre guillemets, serviteur de Dieu qui a transmis un mauvais message, un mauvais comportement, qui a été peut-être... Il y a certains qui ont été victimes aussi des arnaques et tout. Sinon, ces gens-là se disent que pour eux, Dieu n'existe pas. Lorsque vous faites face à ces genres de personnes, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dirais simplement qu'ils ont rencontré des mauvaises personnes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pas Dieu qui est mauvais. C'est pas si que les gens disent que non, Dieu, c'est vrai, apparemment, la puissance, Dieu a changé. Non. Alors que la Bible nous dit qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. La puissance de Dieu est là. Il y a beaucoup de miracles qui se font dans l'Église. Peut-être que... Bon, quelqu'un avait dit, les gens les plus sérieux ne passent pas beaucoup dans les médias, ne font pas du bruit dans les médias. Ah, okay. Souvent, les gens qui font beaucoup de bruit dans les médias, pour la plupart, je ne dis pas tout le monde, pour la plupart, c'est des personnes moins sérieuses. Vous comprenez? Ils sont très bouillants. Même à l'école, on a appris que c'est le tonneau qui fait beaucoup de bruit. Effectivement, tonneau vide. Qui est un tonneau vide. Oui. Donc, je ne dis pas tout le monde, hein. Oui. Vous comprenez pas mal. Oui. Mais c'est malheureusement ça. Il y a beaucoup de miracles authentiques qui se font. Mais ça se fait justement avec des gens très sérieux, très sérieux. Donc, ça se passe dans des églises. Quelqu'un qui était venu atteint de la maladie du VIH, qui est guéri, bon, on n'en fait pas du bruit. Et c'est parfois même des églises où il n'y a pas de caméra. Vous voyez? Mais les gens guérissent tout le jour de toutes sortes de maladies. Il y a même des résurrections des morts dans certains endroits, parfois des endroits reculés. Mais Dieu agit. Dieu et avec ses serviteurs. C'est comme au temps d'Élie. Élie pensait qu'il était resté le seul. Mais Dieu dit non, je me suis réservé 7000 autres prophètes. Il y a des gens dans les fins fonds du Bandundu là-bas, dans des coins de Kilé, des missionnaires qui font un travail extraordinaire, exceptionnel, qui affrontent des esprits de toutes sortes et qui arrivent à évangéliser, qui gagnent des âmes. Ces gens-là sont très puissants. Qui passent par un village, ils rencontrent un extroprié, un paralytique, ils lui lève-toi et marche, et la personne se lève et marche. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Il n'a que peut-être un petit téléphone de 10 dollars, 20 dollars, mais le paralytique marche. Il ne sait même pas filmer. Et il bénit le Seigneur et il mange juste le mouengi avec la chikwan. Mais j'ai l'impression comme si... En parlant, en vous entendant parler, c'est comme si vous faites allusion à ces gens-là qui ne sont pas encore bénis matériellement. Ils sont là. J'ai l'impression, c'est comme si... qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a commencé avec le Seigneur, qui fait un bon parcours avec le Seigneur, à un moment donné, il le relâche et qui embrasse une autre religion ou un autre chemin, qui d'ailleurs le détourne de la voie de Dieu? Bon, dans ta question, je vois des choses. Oui. Tu as d'abord parlé des gens qui ne sont pas bénis matériellement. Pour être béni matériellement, ça répond à certains principes qui sont divins, mais qui sont aussi des principes qui s'imposent à nous en tant que terriens. Il y a des principes dans la vie. On ne devient pas riche ou on ne prospère pas sans forcément devenir riche, mais on ne prospère pas sans respecter certains principes.
on peut beaucoup travailler, mais il y a certaines choses qu'on ne respecte pas dans la manière de travailler. Mmh. Il y a aussi les lieux où vous travaillez. Mmh. Quand vous travaillez dans un milieu pauvre, c'est difficile d'être béni et de prospérer financièrement. Mmh. Parce que les gens auprès de qui vous rendez service sont démunis. Mmh. Parfois, c'est vous qui leur apportez tout. Vous voyez? Mmh. Mais cette personne qui travaille dans ces conditions-là n'est pas le moindre. Ce n'est pas la prospérité financière qui fait de quelqu'un plus grand que l'autre. Mmh. Il n'est pas le monde parce que le travail qu'il, les services qu'il fournit, mmh. ce sont des services parfois de qualité. Et il a accepté de travailler dans un milieu pauvre, tout en sachant que c'est un milieu pauvre. Mais il accepte de travailler là-bas. Il y en a qui travaillent dans les grandes agglomérations comme ici, en sédentarité, tu es là, tout le monde sait te trouver. Les missionnaires, parfois, ils passent d'un lieu à un autre. Ici, tu pries pour quelqu'un, il part, 6 mois après, il est béni, ta prière a marché, il te rapporte une idée qui va de lieu en lieu. Mm-hmm. Donc, mais ça ne fait pas de toi qui est sédentaire et qui est dans cette agglomération. Les gens, quand même, ont des emplois qui sont bien rémunérés, qui t'apportent quelque chose. Tu te retrouves avec assez de moyens pour acheter un terrain, pour construire une église, pour construire une école, pour rouler carrosse. Tu n'es pas forcément plus grand que celui-là qui travaille dans les... Et puis, il y a le respect de certains principes, comme j'ai dit. Mm. Comme j'ai dit. Il y en a qui investissent, il y en a qui ne savent pas investir, qui appliquent la politique de la chasse, d'autres appliquent la politique de l'élevage. Mm. Donc, c'est les peu qui reçoivent là, ils investissent peut-être dans une école, dans un hôpital, dans un business quelconque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont à la fois dans les ministères et dans les business privés. Vous voyez? Il y a des choses comme ça. Les données, c'est aussi un principe. Il y a des pasteurs qui bouffent tout ce qu'ils reçoivent. Mmh. Ils reçoivent la dîme, ils bouffent. Ils reçoivent les offrandes, ils bouffent. Mais lui-même ne paye pas sa dîme. Mais ce sont des principes. Ce que tu enseignes aux fidèles, toi-même, tu dois le faire. Toi-même, tu dois payer aussi ta dîme. Ah, ça? Toi-même aussi, tu dois donner tes prémices. Mmh. Tu dois donner correctement tes offrandes. Et ne pas les donner dans l'église où tu vas donner à quelqu'un d'autre. Ah, ça... c'est une épreuve de foi. Oui. Est-ce que tu as la foi? Et ce que tu prêches est vrai, mmh. qu'il faut s'aimer. Mmh. Toi-même vas s'aimer chez quelqu'un d'autre, mmh. pas chez toi-même. Vous voyez? Mmh. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font la différence et qui font que certaines personnes sont prospères, d'autres ne le sont pas. Il faut ajouter aussi la catégorie des aventuriers qui forcent les bénédictions. Mmh. Il y a des gens qui forcent les bénédictions avec des faux miracles, des faux ceci, des faux témoignages, des fausses guérisons, des fausses prophéties, de la manipulation, disons ça comme ça. Mmh. Et qui rançonnent les gens. Ils se font aussi de l'argent. Mais c'est jamais vraiment beaucoup, beaucoup. C'est jamais... La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mmh. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc pour qu'on dise que quelqu'un est béni, il faut passer par l'épreuve du temps. Tu es béni aujourd'hui, sois béni dans 10 ans. Sois toujours béni dans 20 ans. Mmh. Qu'on voit aussi ta fin, que c'est la fin d'une personne bénie. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir de maladies bizarres, parce que maudit par Dieu. Mmh. Il y a des gens qui vont mourir bizarrement parce que Dieu les a prévenus, ils n'ont pas entendu. Il leur a donné des signaux, ils n'ont pas compris. Finalement, Dieu va les humilier avant leur mort. Donc, la bénédiction, c'est parfois dans les temps. Il faut regarder dans les temps. Dieu est béni aujourd'hui, sois béni dans 20 ans. Okay. Et puis, la vraie bénédiction de Dieu pour quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification, va toujours croissante. Ça bouge très peu. Ça ne va pas trop vite. Ça bouge très peu. Et ça prend du temps. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Mais la personne monte toujours. L'onction monte. L'onction augmente. Ça continue. Ce n'est pas des onctions qui s'arrêtent brusquement. Après un temps, on ne parle plus, on ne l'entend plus parler, en fait, tu sais plus. Ça peut vouloir, ça révèle la manière dont la personne a marché avec Dieu. Okay. Quand quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, mm-hmm. ça va croissant. Ça prend parfois du temps, ça va doucement, mais ça va croissant. Peu importe l'âge. Oui, peu importe l'âge. Okay. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de l'Église, quand vous consultez même ce qui s'est passé partout dans le monde, avec les mouvements de réveil, vous allez voir qu'il y a des gens... que Dieu a commencé à utiliser dans les miracles, par exemple, à 60 ans.
Quelqu'un comme Catherine Kuhlmann, elle a servi pendant longtemps. Mais c'est après 40 ans d'âge, vers 50 ans d'âge, que Dieu a commencé à l'utiliser dans des miracles extraordinaires. Vous voyez? Il y a d'autres que Dieu a utilisé à 30 ans, à 20 ans, dans des miracles extraordinaires. D'autres, ça a commencé après. Bonke, Renard Bonke, qu'on a connu ici en Afrique, avec des grandes croisades. Il était pasteur au Botswana, je crois, ça doit être au Botswana, pendant plusieurs années. C'était un pasteur, je dirais, presque ordinaire. Dieu ne l'utilisait pas dans la puissance. Mais à un certain moment, en cherchant Dieu, Dieu lui a fait une autre grâce. C'est-à-dire, plus on craint Dieu, plus on marche avec Dieu, il y a des choses qui viennent s'ajouter. Parce que l'Éternel vous trouve digne de cela. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va croissant. 40 ans après le ministère, Dieu est toujours avec vous. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à votre dernier souffle. L'onction fonctionne. Et avec une puissance extraordinaire. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça. Dieu bénit. Mais il faut aller avec Dieu au pas. Okay. Ne pas être pressé. L'autre partie de votre question, vous parlez des gens qui s'éloignent. Une fois élevé, après on sent que... Bon, c'est la distraction parfois. Et puis il faut voir la manière dont la personne a grandi. La manière dont la personne a grandi. Il y a des gens qui ne supportent pas la gloire. Les gens en général ont dit que dans le monde, les noirs supportent mal la gloire. Parce que même quand vous allez aux États-Unis chez les noirs américains, vous aurez l'impression que les noirs supportent mal la gloire. Vous allez même chez les musiciens, les boxeurs et tout ça. Et c'est comme si les autres, les occidentaux, supportent mieux la gloire que nous. Tu vas voir un multimillionnaire, il a un t-shirt, il est simple, il vit simplement, il mange simplement, il continue à avoir des amis, Il passe très souvent inaperçu, donc il n'a même pas besoin de se faire... Voilà, il y a une hygiène de vie correcte. Mais les noirs, quand il a beaucoup d'argent, ce sont des gros colliers, des chaînettes qui tombent là-bas, des voitures trop chères. Il doit avoir une Rolls, il doit exagérer, faire des choses, sortir avec beaucoup de femmes. Bon, une folie, en fait. Une folie. Parfois, il entre dans un cabaret ou dans une boîte de nuit, il jette 10 000 dollars comme ça, les gens ramassent des billets de 100 dollars partout. Tu ne verras pas un blanc faire ça. Vous voyez? Donc, il y a des gens ici parmi nous qui ont grandi parfois dans la souffrance. À un certain moment, on a parlé comme une bonne chose pour montrer, on témoignait, beaucoup de pasteurs ont témoigné pour dire comment Dieu les a ramassés dans la pauvreté, Dieu les a élevés. Et d'ailleurs, même ce qu'ils appelaient élévation n'en était pas vraiment une. C'est-à-dire élévation parce que tu es venu tellement du trou. Tu es monté à un certain niveau, mais ce n'était pas extraordinaire pour les autres, pour les Nigériens, pour les Ghanaiens, pour les autres qui vivent dans des sociétés quand même où les gens ont un certain pouvoir d'achat. Vous voyez? Bon, les gens, quand ils sont arrivés à un certain niveau, ils ont craqué. Peut-être qu'ils ne croyaient pas que Dieu pouvait les élever jusqu'à ce niveau-là. Avoir 300, 500 fidèles, tu roules avec une Mercedes. Tu entres dans la distraction. Il y en a d'autres qui sont distraits aussi dans les vents de la politique. Il y en a qui sont... En fait, c'est une forme de distraction, d'autres dans les business aussi. Une forme de distraction qui les a éloignés un peu de cette intimité qu'ils avaient avec Dieu. Et lorsqu'on entre dans cette distraction-là, on est exposé. Il y en a même qui sont entrés dans la magie, il y en a d'autres qui sont entrés dans l'occultisme. Donc, on est exposé un peu au paganisme, à l'impiété. Et ça détruit beaucoup de serviteurs de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est vrai que c'est vraiment très important. Tout ce que vous êtes en train de dire, mais on ne va pas plus s'atteler là parce qu'on a quand même... on est en train de courir derrière l'actualité. Oui. Et l'actualité, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Et comme au début déjà de notre entretien, nous avons parlé de toute cette souffrance que nos frères et sœurs sont en train de vivre à l'Est. Je me rappelle qu'il y a 3 ans passés que j'avais à parler de le FARDC. Aujourd'hui, le président de la République a décidé de renforcer encore les militaires et que nos militaires puissent aller sur le front pour combattre afin qu'on puisse mettre fin à tout ce qui se passe là-bas en Ituri. En parlant, quel est le message que vous avez reçu de la part de Dieu? Il y a 3 ans passés, c'est vrai. C'était quoi le message? C'était en 2018, en septembre-octobre 2018. J'étais à l'étranger,
j'étais en vacances. J'avais pris un peu de vacances pour les rares fois où j'en ai eu. Et j'étais aux USA. Et une nuit, Dieu m'a montré dans une vision mon pays. J'ai vu beaucoup de choses. Et parmi les choses que j'avais vues, on me disait que la guerre allait s'arrêter dans exactement 3 ans. On était en septembre-octobre 2018. Je ne savais pas qui allait gagner les élections. Je ne savais pas si Joseph Kabila serait toujours président. Je ne savais pas si c'est Shadary. D'ailleurs, Shadary, je crois qu'il n'était même pas encore désigné comme candidat. Comme candidat. Okay. Mais c'est pendant ce temps-là que l'Éternel me dira que dans 3 ans, comptez 3 ans, lorsque les 3 ans seront accomplis, la guerre va s'arrêter. Cette guerre va s'arrêter brusquement. La guerre va s'arrêter. Donc en 2021, octobre 2021, la guerre est censée se terminer, selon Dieu. Et selon ce qu'on me disait, c'est Dieu qui va arrêter, qui va finir cette histoire. Il va passer par qui? Par le phare d'essai, il va passer par... Je ne sais pas comment il va faire, mais ça va s'arrêter. Et il m'a dit aussi que la vie politique, la manière même de faire de la politique dans ce pays, ne sera plus la même. Ok. Après cette victoire-là, de notre armée, même la scène politique ne sera plus... Disons ça dans un style que les gens peuvent comprendre. Le système de jeu ne sera plus le même. Ok. Le système de jeu ne sera plus le même. Là, nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018. Ok. Dans ma compréhension à l'époque, quand le Seigneur m'a dit ça, j'avais compris que ce qui faisait un peu peur, ouais, aborder, faire la politique... Dans ces pays, surtout quand on ne voit pas les choses de la même manière que le pouvoir en place, on est poursuivi, on est accusé, on est traîné en justice, on est tué, tout ça, ce genre de choses. J'avais compris que ça ne sera plus pareil. Que les libertés vont s'ajouter, vont devenir plus effectives, les libertés d'expression et autres vont devenir plus effectives, et la vie politique va s'assainir de plus en plus. Je l'avais compris à l'époque, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Et toutes ces choses-là sont liées à la fin de cette guerre. Et c'est à ce moment-là que Dieu va parler aussi à beaucoup d'enfants de Dieu, de faire la politique. Vous allez constater, après 2021, beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, enfin, des fils de nos églises, même des serviteurs de Dieu, vont entrer dans la scène politique. Et la scène politique ne sera plus la même. Vous voulez rejoindre ceux qui ont toujours dit que peut-être il pourra plus y avoir plus de dirigeants chrétiens. Vous êtes dans le même sens ou bien... Oui, je l'ai toujours cru. Okay. Avant même de recevoir mon message. Mais le Seigneur m'a parlé maintenant très clairement. C'était très clair. Très clair. Peut-être même moi aussi je ferai la politique. C'était très clair. Très clair que... Il y a une vague de gens qui vont rejoindre, une vague de gens qui va rejoindre la politique. Mais des gens, des chrétiens, des fils de Dieu nés de nouveau. Mais en fait, à cette époque, c'est ça que j'avais dit au début. Que vous avez le message, Dieu vous utilise, il parle à travers vous. Mais pourquoi vous n'allez pas toucher au fait le dirigeant de ces pays? Parce que ce sont quand même des gens qui écoutent, ils ont des conseillers, et vous n'êtes pas quand même le moindre. Vous avez quand même des contacts, vous pouvez toquer par-ci, par-là pour enfin quand même rencontrer le chef de l'État et puis lui faire parvenir le message. Pourquoi vous ne faites pas cela? Oui, mais vous voulez que j'aille l'idée quoi, que la guerre va arrêter, va se terminer. Le message est là, c'est à prendre ou à laisser. Si... Mais peut-être qu'il va nous suivre déjà. Ouais. Il va nous suivre. Il paraît qu'il suit beaucoup les réseaux sociaux. Ouais. Il suit beaucoup les réseaux sociaux. Il sera au courant d'une manière ou d'une autre. Cette motivation qu'a créée le président de la République par rapport à cette guerre, de l'Est bien sûr, alors vous avez une vision assez particulière par rapport à cela? Parce que... Non, je pense que ça entre dans la ligne de ce que le Seigneur nous avait dit. Je crois que, parce que quand le Seigneur te dit ce qu'il va faire, il ne te dit pas qui va le faire, il ne te dit pas comment il va le faire, comment la personne que Dieu va utiliser va le faire. Donc, tout ce que tu... Maintenant, je suis en train d'observer. Je suis dans l'expectative, en train de voir aussi comment le président est entré en scène,
comment il a nommé, d'abord comment il a décrété l'état de siège, comment il a nommé les gouverneurs militaires. Je me dis, oh, c'est peut-être de cette manière, parce qu'il reste juste quelques mois. Mmh. Quelques mois nous séparent du délai butoir dont Dieu m'avait parlé. Donc je me dis, les choses vont se mettre en mouvement. Et la guerre va s'arrêter bientôt. Mais nous tenons fermement à ce qui est fin quand même de cette guerre. Sinon, il y a encore d'autres directives où vous êtes serviteur de Dieu. Alors, en tout cas, moi, je ne suis pas un prophète. Oui. Je ne suis pas un prophète au sens vraiment des prophètes qui reçoivent des messages tout le temps. Mmh. Des prédictions comme prophète Fulgence, comme d'autres prophètes qu'il y a dans la ville. Oui. Moi, je suis un ministre de Dieu, apôtre du Seigneur. Mais Dieu m'a parlé quand même de ma nation parce que j'ai toujours eu beaucoup de soucis pour mon pays. J'ai toujours prié depuis des années. J'ai étudié à l'étranger, même quand j'étais à l'étranger. J'ai prié beaucoup pour mon pays. J'ai toujours eu beaucoup de peine. Depuis que ces histoires ont commencé avec toutes les rébellions qu'il y a eu à l'Est, même au temps où on a enterré les femmes à Mwenga, à Kasika et partout là-bas, on a enterré les femmes vivantes, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé comme exaction là-bas, j'ai toujours suivi. Et je me rappelle quand j'étais aux études, parfois je pleurais même. Je pouvais entrer dans un cyber comme ça, je me mets à pleurer. J'ai toujours prié pour mon pays. Je crois que Dieu voulait aussi me consoler. En me parlant il y a 3 ans de cette fin de guerre. Et j'ai souvent publié, si les gens entrent sur ma page Facebook, ils vont voir que j'ai souvent publié ça. Il n'y avait aucun signal qui montrait qu'on courait vraiment vers la fin. Mais Dieu m'a toujours confirmé que ça va arriver comme ça. Et moi, j'ai toujours publié. J'ai peut-être fait, sur les 2 dernières années, peut-être 5-6 publications où j'ai parlé de la fin de cette guerre. Alors, si je peux donner une directive, c'est prions. Okay. Prions que des choses se passent comme Dieu me les a dites. Prions. Que cette guerre s'arrête. Donc que les enfants de Dieu ne puissent pas traîner dans des distractions. Donc nous devons tous accompagner le... Surtout pas les distractions des politiciens. Mm-hmm. Les Congolais doivent comprendre que ça, ce n'est pas un pays comme tous les autres pays. C'est un pays béni de Dieu. Il y a un plan de Dieu sur ce pays. Quand vous voyez quelqu'un devenir président dans ce pays, ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Je vous dis, on ne peut pas devenir président ici si Dieu lui-même ne te donne pas le quitus. Ah, ça? Ah oui, je vous dis. Mais si tu demandez à tous les hommes de Dieu authentiques, je parle des hommes esprits, des hommes de prière, vont vous dire que dans ce pays, si on ne peut pas devenir président comme ça, et ça ne dépend pas des calculs politiques ni des calculs humains. Ça ne se passe pas comme ça. Je crois même que si Joseph Kabila était ici, il serait d'accord avec moi. Ok. Ouais. Il serait d'accord. Il serait d'accord avec moi. Il sait comment il est devenu président et il sait comment il est parti. C'est la seule personne qui peut peut-être mieux me comprendre quand je parle de cela. Peut-être que le président Fatih aussi peut comprendre. Mais je crois que Kabila est mieux placé pour me comprendre quand je dis que ça, c'est un pays de Dieu. Où on ne devient pas président comme on veut, devient président qui veut. Non. Ça se passe dans le monde de l'esprit. En fait, ce sont des paroles que nous avons. On a toujours écouté, c'est vrai. La RDC est un pays béni, exceptionnel et tout et tout. Mais sinon, vous êtes serviteur de Dieu. Tout ce qui arrive à la RDC. D'après vous, quelle lecture faites-vous par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai, un pays béni, où il n'y a toujours pas de paix, où les gens continuent toujours à traîner dans de misère et tout et tout. Sinon, vous êtes quand même serviteur de Dieu. Comment expliquez-vous cela? Ça s'explique simplement. Quand vous lisez la Bible, vous lisez tout l'Ancien Testament, vous allez voir que Israël est passé par là. Israël, c'est un peuple béni. Qui va le contester? C'est un peuple de Dieu. Qui va le contester? Il n'y a qu'à voir l'histoire d'Israël dans la Bible. Même l'actuel Israël, l'état d'Israël ici, il faut voir son histoire. Israël a été attaqué en 67 par l'Égypte. Cette guerre d'une semaine. Cette guerre de Yom Kippour. Et puis la guerre de 73. Tout le monde entier a assisté à un spectacle extraordinaire. Comment Israël a vaincu ses ennemis. Comment, par la guerre que ses ennemis lui ont imposée, il a même récupéré leur territoire, il a annexé. Il a récupéré
le Sinaï, il a annexé. Le Sinaï était, je crois, dépendant de l'Égypte. Il a récupéré. Les négociations sont venues après, mais il n'a plus perdu le territoire qu'il a gagné. Donc, vous voyez, des peuples bénis, des pays bénis, passent aussi par l'épuration des Juifs en Europe, en Allemagne, à Auschwitz, dans d'autres pays, en Pologne, dans d'autres pays. On a tué les Juifs, on a gazé plus de 1 million, 6 millions de Juifs. Les génocides des Juifs. Vous voyez, Israël est passé par plus de souffrances que nous. Et ça se comprend, Israël n'a pas exactement la même destinée que nous. Nous ne sommes pas passés par les souffrances, autant de souffrances comme des Juifs, mais nous n'aurons pas non plus une grande destinée comme celle des Juifs, mais nous avons une grande destinée quand même. Nous avons une grande destinée et ils ont plus souffert que nous. Vraiment. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous allons fermer cette brèche que nous avons ouverte tout à l'heure. Sinon, un message à tous nos militaires, parce que nous sommes très suivis par nos militaires. J'ai reçu beaucoup d'appels lorsque je commençais à parler de l'Itouri et tout et tout. J'ai reçu des généraux qui appellent. Garçon, il faut continuer avec ces genres de démissions. Ça motive. Sinon, vous avez un message à tous ceux qui sont à l'Est maintenant, tous ces militaires qui se sont décidés de descendre sur terrain. Vous savez, quand tu me poses cette question, ça me fait la chair des poules, ça me fait froid au dos parce que il n'y a pas, en ce moment-ci, il n'y a pas plus important que ça. Ça c'est vrai. On compte sur nos frères d'essai. On compte sur vous, ma pinga, tu sais, moi, une histoire à Israël, si on a un bien au monde, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, Israël a savouré la victoire. Confusion contre un ennemi. Confusion à ma casse. Nous avons été. Milimo. Ma fantôme. Ma milimo. Je crois qu'un jour, nous avons un témoignage. Même dans le bateau, nous avons un prisonnier. Nous avons un kanga. Nous avons un que. Nous avons un peu bizarre. Nous avons un peu de temps. Parce que nous avons un peu de victoire. Kimia ezonga na RDC. Boza na confiance na biso, boza na mitema na biso, peuple a tient mitema pa na bino, azo soutenir nous na prière, boza la conséquence, boza musa na bino bien, pe na osenga ba kambi ya armée. Ba kambi yo sa tous les niveaux. Comme na ministre ya défense, chef d'état-major général, na ba chef d'état-major musuti, na se ba commandant yo so, na osenga patriotisme za likolo, za lo zénith. Mbongo soldat ba militaire aussi maté. Biloka ko lia ba militaire aussi maté ko yibato ko za malédiction. Pour ma prière to sala de to sala lango. So ko meki ko za malédiction. Ko yiba ba effort de guerre té, ko yiba ténité botimté, ko yiba eloko té. To dit que mbongo na biso moyibé ko makasi. Mais mbongo ils apprennent à carburant, ils apprennent à ko lia ba militaire, ils apprennent à soldat ba militaire. Motivation. Ils apprennent à sokoto. Ya ba militaire motivation. Ko si maté. Aussi, maté pardon, ce temps, on comprend l'été, mais on comme il a eu, bah non, mais comme il a eu, on comprend l'été, parce que ma camote, on a prié. Moi, quand on m'a toujours prié, ma Congolais, nous sommes dans l'étranger, nous avons prié. Nous sommes en train de prier partout. Tous les Congolais ont ces fardeaux dans leur cœur pour leur pays. Ça fait quand même 20 ans de pleurs. On veut que ça s'arrête et ça doit s'arrêter maintenant. Ça doit s'arrêter. Donc, soyez conséquents et ne prenez pas les choses à la légère. Voilà un peu les messages que je peux passer à nos forces armées. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois que nous allons fermer cette parenthèse. Et comme j'avais dit que l'élu tout au courant, le mignon sauté, mais vraiment, tu sais pas papa, à permettre ce sous prochainement, tu y aller sous pour tout continuer parce qu'il y a quand même à boire et à manger. Mais en bas, le visa est belé et belé et belé. Aujourd'hui, avoir ces gens de serviteurs de Dieu, c'est pas facile. Quelqu'un qui ne traîne pas la carte de souffrance, mais à zone d'imma garder le véritable Dieu, le Dieu authentique. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Il faut te yeba ni bazo sala parce que mon toza na zangelo wa roliate.
azana yango mais azoni ma abomba nzambe wa bon yo muto bandika ka lobby lobby awa nanu kute lokote obandiko tik. Donc je crois qu'on aura le temps. Saki kiti na yo Besika miso nzoto imona kate Ona koko lisa kondi mayabana na yo Kiti na yo wezali Ya molimo piawe Mbatambola na yo Bayoki samaka soni te aya Mbatela yo motema Bakuti samate na mabwa kwa mongona Kasi na nyango aya na milelo na ye Azonga na milelo na ye Ezalate Mosiko inanga beaucoup homme de Dieu. Alors je crois que nous allons fermer cette parenthèse et comme j'avais dit que le tout quoi pour le bilan manque mignon sauté mais on vraiment de singe pas papa à permettre ce sous prochainement tout y aller sous pour tout continuer parce qu'il y a quand même à boire et à manger mais en bas le visa est belé et belé belé aujourd'hui avoir ces gens de serviteurs de Dieu c'est pas facile quelqu'un qui ne traîne pas la carte à souffrance mais à zone d'ima garder le véritable Dieu le Dieu authentique c'est ce que moi j'ai toujours dit. Il faut toyer ba nini bazo sala parce que mon tozana zangelo wa goliate azana yango mais azon ndima abomba nzambe wa bon yo muto bandika ka lobby lobby awa nanu kute lokote obandiko tik. Donc je crois qu'on aura le temps sinon homme de Dieu vous êtes aussi dans les écritures quand même toyer ba quand est-ce que vous avez eu le goût d'écrire? Oh tout jeune hein? Tout jeune mon père biologique écrivait le pasteur Emmanuel écrivait bon il était professeur d'université il écrivait dans le cadre scientifique il écrivait aussi dans le cadre chrétien, parce qu'il était pasteur, il écrivait. Donc, j'ai pris le goût de l'écriture depuis très longtemps. Et bon, c'est après sa mort. J'étais assistant à l'université quand j'ai décidé pour arriver à la réussite. C'est-à-dire pour tirer un résultat satisfaisant de sa vie sur la terre. Que toi-même, tu sois content que j'ai réussi dans la vie. Que les gens reconnaissent aussi que tu as réussi. Alors, comment y arriver? Il y a des principes qui sont divins. Et des principes qui sont les principes de la vie, comme le travail, comme la persévérance, comme certains, des principes de la vie qui font que les gens réussissent. Et puis, il y a des principes qui sont divins. C'est comme si ça va un peu dans le sens contraire. Pour ce, surtout dans des églises, j'ai l'impression comme si les gens pensent qu'avec le Seigneur, ils n'ont qu'à Alors ici, j'ai l'impression comme si au PC, bah, principe, mon souci. Donc, ce qu'il y a maillé sur les autres sous kakaté, et sous kakawanaté. Donc, ce qu'on fait, nous sommes là chaque jour en permanence. Ne t'attends pas quand même que le succès, ils aient les bosses. Et qu'au bon de là, ils aient important. Parce qu'au bon de là, ils ont une couverture spirituelle. Sont en psaume chapitre 121, on dit, le psaume 121, je crois, verset 1 et 2, on dit c'est en vain que vous vous levez très tôt et mangez-vous le pain de la douleur. Les bien-aimés de Dieu sont bénis pendant leur couche. Vous voyez? Donc, il faut partager ces choses-là. Il y a le travail, il y a le dur labeur, mais il y a aussi la bénédiction de l'Éternel. Tu dois avoir tous les deux. Tu dois aller travailler. Tu dois travailler durement pour gagner ta vie. Mais il y a aussi la bénédiction de Dieu que tu dois avoir sur ta couche parce que l'Éternel marche avec toi, parce que tu es un homme de prière, parce que tu passes beaucoup de temps dans la prière, des heures, c'est bien.
C'est pour avoir la bénédiction de l'Éternel. Oui. Maintenant, quand tu vas travailler, ta bénédiction est déjà prévue. Donc, travailler devient comme une formalité. Dès que tu travailles, tu as fini de travailler, ta récompense viendra, suivra. Mmh. Ouais. Mmh. Je ne parle pas de l'emploi. Quand je parle du travail, je ne parle pas de l'emploi. L'emploi, c'est une autre chose. Mmh. Le travail aussi, c'est une autre chose. On peut ne pas avoir l'emploi, mais travailler. Mmh. Vous voyez? Mmh. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on doit séparer. Mais les enfants de Dieu doivent savoir que si tu pries seulement, tu peux t'apprêter pour aller au ciel. Mmh. Mmh. Mais avoir du succès sur la terre, en priant seulement, ça ne vient pas. Okay. Tu dois savoir comment chercher les finances. Et quand tu as trouvé les finances, tu dois savoir comment fructifier les finances. Mmh. Tu dois savoir comment on fait, quels sont les chemins qu'on prend lorsqu'on veut devenir riche, mmh. lorsqu'on veut devenir millionnaire. Et ce n'est pas une affaire qui se fait en une année, en deux ans. Non, ça prend du temps. On y travaille, on a une certaine discipline, et puis on va y arriver un jour. C'est une culture qui est d'ailleurs rare chez nous. Sinon, quand même, les gens, quand même, comment est-ce que les gens ont reçu votre première édition? Les gens ont lu, mais ce n'était pas facile. Ça décourage parfois. Ça décourage. Okay. Il fut un temps où j'ai fait pratiquement 5 ans sans écrire. Parce que ça décourage. On dépense beaucoup pour imprimer. Moi, j'ai imprimé dans beaucoup de pays. J'ai imprimé en Tunisie, j'ai imprimé en Côte d'Ivoire, j'ai imprimé en Afrique du Sud. J'ai imprimé ici. Maintenant, j'imprime en France. C'est de l'argent, les transports pour que ces livres arrivent ici. Mm-hmm. Mais quand les gens ne lisent pas, n'achètent pas, parfois les gens achètent même juste pour vous soutenir, mais sans lire. Sans lire. Les Congolais. Ils achètent et puis gardent à la maison. Oui, ils gardent. Parfois, quand on veut être sûr qu'on est lu, je vais au Gabon, à Libreville, mm-hmm. je vends les livres là-bas. Je sais que les Gabonais lisent. Okay. Les Gabonais lisent plus que nous. Les Ivoiriens lisent plus que nous. Ah, et la deuxième édition, c'était quel livre? Le deuxième livre, c'est... Non, c'est, je crois... Ici, La foi manifeste. La foi manifeste. La foi manifeste. Ok. En parlant de la foi manifeste, c'est venu comment, en fait, pour que vous puissiez parler de... J'aime beaucoup la foi. Je suis un prédicateur de la foi. Et je voulais un peu donner un canevas. Mmh. aux gens qui veulent expérimenter la grâce de Dieu, expérimenter les miracles de Dieu. Mmh. C'est comme ça que je parle de la foi manifeste. Il y a aussi votre histoire qui est inclue ou seulement vous parlez de... J'ai été très bref, tu as vu, j'ai fait ça à un petit format. Vraiment. Je n'ai pas voulu donner des témoignages là-dedans. Mmh. Mais les témoignages, je les ai donnés plutôt dans le troisième livre où je parle de déverrouiller l'impossible. Ah, ok. Là, j'ai quand même donné beaucoup de témoignages, mais témoignages comme les témoignages d'autres personnes. Ah, ok. Quelques témoignages en tout cas. Quelques témoignages. Et après, ici, je vois bâtir son histoire. Ça, c'est le dernier livre. Le tout dernier livre. Une vie d'impact, c'est le quatrième. Ok. Une vie d'impact par la sagesse divine. Donc, quatre... Là, j'explique un peu les principes de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Et comment par la sagesse de Dieu, la sagesse qu'on ressort de la parole de Dieu et la sagesse qui est inspirée par les divins, on peut avoir une vie d'impact sur la terre. Ok, merci. Sinon, je vois quand même, il y a préfacé par Pasteur Marcelo, je vois par Papa Jean Bosco Sumbela. Jean-Baptiste Sumbela. Alors, du coup, c'était quand même facile pour eux de vous accepter? Parce que c'est deux fois votre couleur d'écriture, bien sûr. Est-ce que c'était aussi... Non, ce sont des gens avec qui on se connaît depuis des années. On se fréquente. Ce sont des personnes qui me connaissent très bien. Qui ont déjà lu mes écrits. Donc, c'était facile pour eux de lire ces livres-là et de les préfacer. Merci beaucoup. Alors, je crois... Je voudrais quelque chose d'autre. Oui. C'est quand vous trouvez des livres, il n'y a pas que le pasteur Marcelo qui a préfacé, il y a aussi tous les autres qui ont fait des commentaires. Oui, prophète Francis Ngawala, prophète Silas Makangu. Voilà. Tous ceux qui ont lu. Joe Grasse, Canon Emmanuel... Et Staline fidèle, voilà. Oui. Il y en a plusieurs, ça c'est déjà une bonne chose. Oui, il y a... Ah, ça. Sinon, en fait, homme de Dieu, vous êtes pasteur, vous avez plusieurs années, c'est vrai, d'expérience, bien sûr, dans le ministère. Mais actuellement, puisqu'il y a certains qui détruisent l'image, en fait, des serviteurs de Dieu. Mmh. Sinon, quel est le virus que vous avez constaté qui ronge l'Église actuellement?
Parce qu'apparemment, j'entends les autres dire, non, vous savez, les gens nous rendent maintenant des tâches difficiles, on reçoit les enfants de Dieu, mais qui vous amènent beaucoup de problèmes. Et ces problèmes sont toujours liés aux enseignements de certains serviteurs de Dieu qui ont transmis le message et tout ça, tout ça. Sinon, actuellement, c'est quoi le virus que vous avez constaté qui ronge l'Église? Le virus qu'il y a dans l'Église, c'est le virus qu'il y a dans notre pays. En fait, l'homme congolais est à la fois pluriel et à la fois unique. Les problèmes du Congo, c'est l'homme. Et cet homme-là, il est partout. Il est dans la politique, il est dans la musique, il est dans l'église, dans toutes les églises, sans distinction, dans tous les mouvements religieux. Parce que c'est l'homme congolais. L'homme congolais a développé l'amour de l'argent, l'amour du succès, du m'as-tu vu. Le maréchal s'en plaignait à l'époque, dans les années 80. Un jour, il a dit les Aïrois commençaient à beaucoup aimer les m'as-tu vu. Mais il avait oublié que lui-même aussi en était l'inspirateur. L'inspirateur, les modèles du chef, les modèles de... Et puis, il y a Papa Wemba. Moi, j'aime toujours dire que le Congolais est à l'image de Mobutu et de Papa Wemba. Et même quand vous allez dans les églises, partout où vous allez voir des petits Mobutu et des petits Wemba. dans notre manière d'aimer les beaux, d'aimer ce qui est chic, notre manière d'aimer être la tête, tout le monde veut être la tête. Regardez les partis politiques, comment les partis politiques se disloquent. Regardez comment les églises se divisent. La course au pouvoir, tout le monde veut être dirigeant. Pouvoir, tout le monde, parce que tout le monde est un peu, au fond de lui, est un peu taillé à l'image de Mobutu. Donc nous sommes à l'école de Mobutu et de Wemba. Et en fait, cela s'est développé. Aujourd'hui, l'homme congolais qui vient à l'église, qui s'est converti, qui vient à l'église, au fond de lui, il reste l'homme congolais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église, il se développe maintenant beaucoup de choses. Il se développe la course à l'occultisme, la course à la magie, parce qu'on veut gagner vite sa vie. Même les jeunes serviteurs aujourd'hui qui a l'appel du ministère, ils regardent quel est le ministère qui attire le plus, qui paye le plus. Ah, c'est le prophétisme. Moi aussi, je suis prophète. Tout le monde veut être prophète. Ça vient en vague. À une certaine période, c'était tout le monde voulait être apôtre. Tout le monde, maintenant, c'est tout le monde qui veut être prophète. Et c'est pourquoi. Et après 2 ans du ministère, 3 ans du ministère, on veut déjà rouler carrosse, on veut avoir de beaux costumes. À un certain moment, il faut peut-être qu'on arrête de porter des costumes. Parce que les gens pensent que c'est ça être pasteur. Tout le monde doit avoir une voiture. Ce sont des voyages. Il y a des jeunes gens qui viennent te voir. Ah, papa, père, vous voyagez. N'a pas besoin de voyager, mon père. Vous ça en est pour voyager. Père, n'a pas besoin de voyager. Donc, vous voyez, c'est une mentalité qui s'est développée. Je vais dans l'ambiance générale. C'est ça le type de Congolais que nous avons. Maintenant, pour y remédier, moi, d'abord, il faut que tout le monde ait un père. On ne va pas sortir du néant comme ça. Quand quelqu'un te dit qu'il est pasteur, il est prophète, posez-lui la question, qui est votre père? Osamon Anani. Papa Naonani. Est-ce que il ne doit pas seulement avoir un père, mais il doit avoir un père qui continue à rester père pour lui, qui continue à le coacher. En d'autres mots, il doit avoir quelqu'un auprès de qui il rend compte. Parce qu'un homme normal et un pasteur normal, un ministre normal doit avoir quelqu'un auprès de qui il rencontre. Parce que la gloire qu'il y a dans les ministères donne des vertiges. Ça crée un tourbillon. Si on n'est pas solide, on va s'emporter. Alors tu dois avoir un père, un mentor auprès de qui tu rends des comptes. Moi, mon père biologique est décédé, c'est lui aussi qui était mon père spirituel. Mais j'ai cherché à avoir un père, un mentor auprès de qui je rencontre, auprès de qui je paye mes dîmes, auprès de qui je suis soumis. S'il me dit arrête-toi, je m'arrête. S'il me dit arrête de prêcher, je m'arrête. S'il te suspend, j'accepte la suspension. Ah, ça, vous bien acceptez, que juridiquement parlant, on n'est pas de la même communauté, je ne suis pas tenu. Vous voyez? Parce qu'il faut toujours se mettre sous la supervision de quelqu'un. Tout le monde doit être sous la supervision d'un autre. C'est de la sagesse et c'est de l'éthique.
Moi, je suis enseignant de l'éthique, je suis professeur d'éthique, un ministériel. Donc, il faut se mettre sous la coupole de quelqu'un d'autre et entendre le conseil, écouter le conseil, être prêt à se soumettre. C'est très important. Donc, déjà, ça sera le début de la solution. En deuxième position, maintenant, les pères, tous ceux qui sont pères, apprenez à vos fils à ne pas aimer l'argent, à ne pas aimer la gloire, à aimer le ministère parce qu'on aime Jésus, à aimer le ministère parce qu'on veut se soumettre à Jésus. Amen. Nous, quand le Seigneur nous appelait au ministère, et ceux qui sont venus avant nous, on refusait, on fuyait le ministère. Mais il y a les autres, nous avons dit, aujourd'hui, les gens viennent chercher le ministère sans que Dieu aille les chercher, parce qu'ils en vivent. Il regarde Timothée, ah, il a porté un beau costume. Il croit que c'est facile. Au point même que les païens, regardez même les discours des païens. Même quand nous avons fait cette émission, il y a des gens qui vont nous injurier dans les réseaux sociaux. Ils nous injurient pourquoi? Parce que même pour les païens qui nous suivent, ils considèrent que le ministère, c'est un moyen facile pour gagner de l'argent. Vous voyez? Très compliqué. Mais c'est un gros mensonge. Est-ce que le ministère, c'est un moyen facile pour gagner de l'argent? Combien de ministres de Dieu sont riches? Combien de ministres de Dieu ont vivre aisément? Le nombre de pasteurs qui souffrent, si on doit mettre ça en pourcentage, sur 100% des pasteurs, dans ce pays, 90% des pasteurs souffrent, sont dans la misère. Les pasteurs riches, il n'y en a même pas 2%. Si on doit parler de la richesse, les pasteurs riches, il n'y en a même pas 2%. Les autres là sont dans la classe moyenne. Peut-être les 8% là, ils sont dans la classe moyenne. Mais c'est aussi parce que nous aimons toujours prêcher, témoigner comment Dieu nous a élevés, Dieu m'a pris là, Dieu m'a monté, tout très profond. Mais tous ceux qui témoignent comme ça ne sont pas riches, il ne faut pas vous mentir, il ne faut pas vous leurrer, ils ne sont pas riches du tout. Les pasteurs souffrent. Vraiment. Mais regarde les païens, il s'est dit, genre, l'autre fois je vois quelqu'un qui commente sur Facebook, mais Mboko vraiment, mais si on se trouve un politicien, tu es un pasteur. Je peux reconnaître que pour des politiciens, c'est un moyen très facile pour devenir riche. Donc pour eux, après avoir échoué dans de différents domaines, il faut embrasser peut-être la politique, à la manière là. Dont ça s'est toujours fait dans ce pays, ça a été trop facile. Moi, j'ai déjà rencontré un politicien qui m'a dit, je lui ai posé la question, pourquoi tu es devenu politicien? Il dit, mais parce que c'est facile. Il m'a dit, parce que c'est facile, j'ai étudié, je suis intelligent, je sais jongler, donc voilà. Ah ça? C'est facile. Il s'est fait élire, député provincial, et puis il gagne sa vie. Il a dit, c'est facile. Mais être pasteur, ce n'est pas facile. Les gens qui pensent que c'est facile, si j'ai la main, je les prends. J'ai dit, reste avec moi pendant un mois. Dors là où je dors. Sois là dans tout ce que je suis en train de faire en tant que pasteur. Il ne va pas aimer le travail de pasteur. Question du coup. C'est un travail très prenant, très difficile. On est aussi exposé aux critiques, on est exposé à beaucoup de choses. Une question qui me vient en tête, moi pour les migrer ça, puis moi bien, pour Hermon Tupitoké Nala, on peut carabouer. Je me dis, pour les migrer. Aïna Duyer, avec Musée Kabassé, le Père Son âme, je me rappelle là, cité Pumbo à l'époque, fait pas ça. Zamé Malamou, oui. Je vois Aïna de l'autre côté, c'était presque en hangar. Oui. Le musée est parti et les gens, d'après les gens, bon, Aïna c'était fini pour Aïna, bon, c'est fini. Oui. Mais vous êtes vraiment donné. Déjà, je rappelle, lorsque vous dites non, acceptez d'arrêter d'aller renseigner. Déjà, or, pendant ce temps, on pouvait dire déjà, vous étiez déjà sur le bon train. Or, vous pouvez réussir facilement votre vie. Mais oui, accepter. Mais j'étais pasteur aussi. C'est ce que je dis, vous étiez pasteur, mais accepter d'arrêter, du coup, ce que j'étais en train de faire, et rester seulement pasteur, tout court, aujourd'hui prendre cette charge, jusqu'à amener Aïna à ce stade. Est-ce que c'était facile? Non, ce n'était pas facile. À la manière dont tu poses la question, papa Alain, ça veut dire que tu connais, tu étais là, tu as vu. Tu peux au moins témoigner. Toi, au moins, tu peux témoigner parce que tu étais dans les parades, tu as vu. Oui, oui. Tu as vu d'où nous sommes partis pour arriver là. Parce qu'il y a des gens qui croient que nous sommes une génération spontanée, tout bibi ça c'est grave. Il y a même quelqu'un qui a dit un jour que papa n'a rien dit, tout ça, il y a Outiga, les trajets, il m'a mangé l'église. Mais ils ne savent pas que c'est nous qui avons commencé cette église. Bon, ça n'a pas été facile, ça a été très difficile. D'ailleurs, la décision d'arrêter avec l'enseignement supérieur, ce n'était pas
ce n'est pas une décision qui est venue de moi, qui était charnelle, c'est une décision. Mm. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Okay. C'est le Seigneur qui m'a parlé, qui m'a dit d'arrêter d'abord. Je me rappelle bien de la phrase « arrête d'abord okay. ». Concentre-toi totalement dans le ministère. Et je me suis donné... Au début, je me posais même la question. Je me demandais conseil à un ami qui m'a dit « mais comment tu vas meubler ton temps ?» Dans le ministère, qu'est-ce que tu auras à faire? Vous voyez la lecture qu'on se faisait. Mm-hmm. C'est comme un peu la lecture que les païens se font. Mm-hmm. Ils se disent, bah, pasteur, bon, ça a été. Mm-hmm. Non, mais Moussa, là, ils a tellement prenant. Et l'équipe Moussa, on s'en passe. Aujourd'hui, à Harvard, on a fait des études. On a découvert que c'est le travail le plus difficile au monde. C'est la pastorale. Donc, je me disais, bon, comment je vais faire pour meubler mon temps? Cet ami m'a dit, mais comment tu vas faire pour tout le temps où tu allais à l'université, tu vas faire quoi? Mais c'est là que j'ai découvert l'écriture. Je me suis mis à écrire, à lire la Bible, à lire les ouvrages, à me documenter, à écrire. J'ai comblé mon temps, j'ai créé des temps de réception. J'ai commencé à recevoir les fidèles dans mon bureau, des visites pastorales à certains moments. Et puis, pouf, 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 aujourd'hui, je n'ai plus le temps. Wow. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps. Il y a des fidèles qui viennent me voir, ça fait 2 mois. On n'a pas encore trouvé le moyen de se voir. Oh là là là. C'est plus des urgences. Quelqu'un est malade, il faut prier, des urgences. Mais quand c'est quelqu'un parfois qui veut te parler de son dossier de mariage, parfois on n'a pas le temps, on ne trouve pas le temps. Heureusement qu'il y a d'autres pasteurs, mais certains fidèles, certains dossiers, parfois on ne trouve pas le temps. Et l'église avec, je crois, plus de 12 églises, donc... Dans réparti dans quelques provinces. Oui. Mais avec votre système de G là où il faut accepter toujours, oh là là, MSO, oh qui manda, ou yoga en église, ou sacrifice et belé belé, est-ce que c'est facile quand même? Parce qu'apparemment, il y a maman, qui m'a moi, tu en as besoin que les lots maman, là, ta costume, là, il va en un peu bien. Bon, pasteur, on voit bien. Les 12 églises ont des pasteurs. Moi, je ne dirige pas, je chapeaute, mais je ne dirige pas toutes ces églises directement. Moi, je suis plus à l'église de la Cité Verte, mais c'est vrai que ça demande aussi qu'un ami déplacé. Peut-être que dans la province, il faut se déplacer. Après, moi, tant que nouveau. Effectivement. Et puis, ici sur place, bon, maman s'occupe de l'église de ma campagne. Mm. Pasteur Joël Kabassé, elle est là en permanence, elle s'occupe de l'église. Moi aussi, je m'occupe de l'église de la Cité Verte. On a des pasteurs en dessous de nous, on a d'autres pasteurs, et on travaille. Moussa Lanzam, mais c'est aux priorités au Sandé. Là, par exemple, pour tourner une mission, moi, je suis en pleine retraite. Effectivement. J'ai passé la nuit ici, dans le bureau. J'ai passé la nuit dans le bureau. Et voilà. Sur ça, les beaux-montés. Ok, le gars, qui c'est? Sur ça, les beaux-montés. Je ne sais pas, parce que oui, ou ta. Pas ça, non, non. Nous avons des fois, on a l'intimité d'ailleurs. Pas ça, non, on va proposer. Bah, toi, on va proposer. On va proposer. Je crois que va banger. Oui, mais je pense que ma proposer à Moudnion sur l'eau, sur terre. Avant, ma proposer au talon. Donc, si je propose, il faut aller là-dedans. Je propose que je raconte à la bonne habitation. Il y a la maison. Il faut mettre tout là-bas. Je ne sais pas. Effectivement. Parce que là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne sert à rien. Tout tika. Parce que tu as mis collé comme il y a homosexualité. Homosexualité, c'est côté ma casse. Ça, c'est vrai. Oui, oui. Homosexualité, côté ma casse. Mais on va dire quota, et c'est un bango, on va dire bibali, des choses comme ça. Alors, écoutez ma classe. Même si tu es bango, on va dire En tout cas, il y a occasion, papa. Il y a occasion à Dubaï, il y a occasion à Europe. Si on a occasion, on a
Vous allez aller en enfer. Ouais, ouais. Ok, il fait le pour rien. Tu comprends? Quand nous on parle comme ça, on va dire toi bah Yuma. Ça c'est vrai. Donc c'est toi bah Yuma. On est bah Timeli, bah comprendre. Erreur au Saranate. L'eau les alaka. Amen. Mon sang est un mauvais jeune prophète. Mon roi sang rabbi dans la vieux prophète. Mon roi est vilain. Aïe bani ma case. A du petit. Mon colo pour se rendre compte que. Dans le souk, on se rend compte que l'eau les a ratés, on regrette ma casse, elle sacrifice tout au sale. Mais à terre, à l'eau, là, ça ressemble à terre, à l'eau, dans ma terre. À terre, eschatologie, ma casse, c'est tout. Mais, à Zoye Bissa, jeune prophète, que l'eau les a ratés. Bon, alors, bien, on dit d'une façon un peu subtile, là, avec beaucoup d'intelligence. Alors, il y a des ratés, il y a des ça va comme dans le souk, l'eau les a ratés. Bon, regrettez pas. A moi, si on va t'avoir, on va faire ça. On va faire ça. On va tout ni bino pour gagner. Nini. Et là, on dit Bozui. En tout cas. Et là, on dit Bozui. Tout le monde va être mis à grave, ma cathédrale, pour tonner ton monité. Tout le monde peut être grave, pour salité. Si on dit Bogue Lukaku, on a pas un zam à pèse à Ragnos. Bah, il va aussi avoir un zam à pèse à Patrick, bah, il va dire, maman, il va aussi continuer l'eau. À ça, tout est une cité. Mais non, attends, tu vois, dans la cité à Zate. So, qui c'est Anine? Bon, qu'est-ce que c'est, ma mine? Sans kiss. Ma béni in. Ma passe, ma mine, ma tini jex. Sans kiss. So, ma kiss, y'a Mino, y'a Nini. Y'a Nini, y'a Mou. Aïe, y'a Baz, la gare. Y'a Nini, y'a Mou. Vraiment, Tiki, Moussala Mounen. A Tiki, la borde, ma extension, Kiri, Kiri, Bana, Bélé, partout. N'a mort partout, que nous, à la borde. A tout cas, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, partout, on est là-bas. Nous sommes vraiment ça, les Tikali. Il y a mon aide. Le pasteur Roland, il y a Roland, il y a le pasteur Jacques Vernon. Jacques Vernon. C'est Jacques Vernon qui a besoin de qui? Papa, il y a un petit peu de belé. Par contre, il y a un petit peu de belé. Il y a besoin de qui? Il y a besoin de qui? Ils ont besoin de qui? Oui, il y a des gens qui sont à Mombasa. Et ils sont à Nini. Il y a des gens qui sont à Wapi. Quand ils sont à Lélo, ils sont à Lélo. Pour ça, oh. Ils sont à Mombasa. Israël, tu es comme. Ah, ouais, c'est comme ça. C'est ça, c'est ma représentante, c'est que nous sommes à Nizaha. Mais je ne vois pas ce qu'ils gagnent. Et puis, pour quelle fin? Souka veut aux Adeni. Au Koufa Nini. Un message très motivé. Au Kende Wapi. Après, il y a un peu de temps. Si c'est un peu de temps, il y a un peu de vivre. Mais c'est un peu de temps. Succès. Descendance. Na yo. Voilà. On sacrifie un peu de temps. Parce que les diables étaient menteurs. Attention à l'émission que on peut pas sacrifier. Le Kouta. On va sacrifier ton Zora dans le peuple. On va mourir dans la croisade, dans la culture. Le Kouta. T'as la balle à ma politique, ma prime à Kouya. T'as la balle à ma Sili. Mais t'as la balle à ma Sili. 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 T'as la balle à ma téléphone. Après, ma Sili. T'as la balle à 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 ma Sili. T'as Bobby m'a dit que je suis un peu plus de temps. C'était un peu pour faire peur à ces gens. Bâtir tranquille. Pour le rabat, ça y est, secret dans Bango. À Bangui, tu peux conseiller, il faut dénoncer. Donc, tout ça, c'est à cause de Mathieu Fille. Les gens cherchent l'argent. Ça, même, t'as pas bon là. Faut prendre le temps. Et puis, j'aimerais m'adresser aux jeunes prophètes, aux jeunes serviteurs. Nous, on a pris du temps. Papa, ça, plus de 20 ans, nous on va dire ça plus de 20 ans. Mon gars, la pauvre, mon gars, dans un bureau boué. Ça fait plus de 20 ans. Ça ramasse loin. Précédé. Monsieur, bah tant que c'est, bah quand c'est monsieur président,
Les offrandes que les gens donnent à l'église, à combien? Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis, homme de Dieu. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Pour ceux qui auront besoin, il y a qu'à se joindre, bien sûr, dans l'église. Parce que déjà, voici une bonne adresse. Je vais quand même une histoire. Je peux vous dire bien, vous garantir que sécurité est allée. Ce que vous voyez, je vais présenter une autre chose. L'église est là, il y a plusieurs extensions. Ah ouais, la ville, je crois que il y a mon co Thomas, on m'a expliqué Bisso. Pour ceux qui auront besoin, bien sûr, de se joindre à Bisso, qu'il y a une église, qu'on a un pasteur, je crois. Mais surtout, ils vont aller mal avant. Pour tous ces gens qui auront besoin, il y a qu'on en contact na pasteur. Vous en avez besoin, vous pouvez participer, vous pouvez s'amener là, l'église. D'accord, vous avez un numéro de téléphone. Bien sûr que oui. 089 89 encore 43 375 089 89 43 375. Ah voilà, Cité Verte, tout ça en diagonale, la première entrée Cité Verte, l'église Aena. Nous sommes là à la Cité Verte et on a une autre assemblée, la Kinshasa, dans l'assemblée Moussou dans Mahimbi. Mahimbi est en face à Massarambi, là, Aena Moreza dans Sekouna. Et puis à ma campagne sur Benseke, numéro 37 bis, Benseke 37 bis. L'avenue qu'on appelle 80 jours. 80 jours. Il y a un panneau là, l'église se trouve là, dirigée par le pasteur Joël Kabasele. Voilà, nous sommes là et nous sommes à votre service. Premièrement, au service de Dieu et à votre service. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, papa Alain. Alors, pour tous ceux qui auront besoin, bien sûr, de livres. Vous contactez par le même numéro. Toujours avec le même numéro. Oui. Votre page Facebook, c'est toujours opérationnel. Notre page Facebook, c'est Pasteur Timothée M. Kabasele. Okay. Pasteur Timothée M. Kabasele. Et je peux donner aussi l'adresse sur YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est la même chose aussi. Pasteur Timothée M. Kabasele. C'est notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Merci beaucoup, homme de Dieu, de nous avoir accepté. En tout cas, tout le plaisir était le nôtre, mesdames et messieurs. C'est parti que nous mettons un point final à notre entretien, bien sûr, avec l'homme de Dieu, révérend pasteur, donc apôtre Timothée Mpongo Kabasele, donc déjà qui dirige les églises Aena, bien sûr, l'église Union surtout dans la province. Déjà, beaucoup d'adresses. De temps à autre, d'ailleurs, si le Seigneur nous prête vie encore, vous aurez peut-être différentes prédications. Il y a Emoko ou Ebanole Canapé dans Nouvelle Tendance Télévision. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Zamba yebi singai. Na fête ya kana, Jésus a bongola ki ma yvino. Kasi saliwana, bate ba mouna kite. Yamba soufflinga. Bikenda na veni luka. Na direction Birmanie. Derrière maison communale, yangiringiri. Ni okomuna salwana yango na ye po ye nzambe akosakate ponga na ebisa nzambe wana so akosi ngana ye tolobanate du nouveau à Kinshasa ngirigiri relati la bayasika la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité conditions VIP sécurité assurée tout au bon point. Très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible. Bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, nulle part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact,
Merci, merci Seigneur, merci. Talabo que c'est Nizali entre le fait que Naka y a voisin à yoto voisin à yo. Ce qui est que c'est Nizali à solo fait si à yoko salamo konate. Yo, yakanangwao, yakanangwao, yakanangwao. Merci, merci.